Bonjour, 11h16, c'est jeudi et ce midi, nous sommes invités à manger chez ma maman. Depuis qu'elle a repris du poil de la bête, on ne l'arrête plus au niveau des invitations. Moi ça me va, je me régale à chaque fois. Aujourd'hui, le live ce soir, pour réitérer, parce que comme je vous disais, j'ai pas envie de m'arrêter sur un échec. Espérons que là ça fonctionne. Normalement j'aurai la tablette pour vraiment mieux vous lire, et en espérant, j'ai bidouillé un truc aussi sur mon téléphone au niveau de l'orientation pour vous avoir paysage. Là j'ai quand même commencé parce que nous sommes le 5 décembre et j'ai déjà les toutes premières commandes, donc je suis en train de m'avancer sur les bordereaux d'expédition vu que je fais tout manuscrit. J'en ai fait 50. J'ai écrit 50 adresses ce matin, donc je suis quand même très contente. Je m'étais dit, oui, je vais en faire 20 par 20 par 20 par 20, du 1er au 15, à peu près le moment où je vais expédier. Parce que vous pouvez commander la box de Noël jusqu'au 10 inclus. Donc effectivement, il reste 5 jours si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir. Sachez qu'il y a également les cartes cadeaux. Ça plaît pas mal aussi. Vous êtes d'ailleurs pas mal à m'envoyer des messages privés en me demandant que je vous envoie un petit spoiler. J'ai pas voulu le mettre sur le site, c'est Noël. Donc là, je voulais vraiment garder la surprise pour tous les articles, mais je fais une exception. Si vous m'envoyez le petit message, je vous envoie derrière l'article. D'ailleurs, ça sera le bijou que je vous envoie en photo. Mon look du jour est ultra confortable. On a la chemise, on a le gilet et nous avons ça. On va se faire les calendriers. Le cadeau que j'ai fait dans celui de ma maman, c'est un bracelet que j'ai acheté chez Morgane. C'est exactement, d'ailleurs elle l'a beaucoup aimé, ses couleurs, enfin son style, donc c'est ça. Et on le voit, voilà, on le voit un peu mieux au niveau du fermoir, et ça je sais que ça lui va tellement bien, ce type de petit bracelet. Donc voilà, ça c'était son cadeau du jour. Et demain, vu que c'est sa fête, c'est la Saint-Nicolas, je lui ai pris un truc, vous verrez, j'ai vraiment hâte. Non, non plus. Ok, donc ça c'est sur les côtés. Plus petit, ça serait peut-être un truc make-up. Oh. Ah bah attendez, livraison. Allez, on regardera ça après. Routine aroma et tapin, l'huile corps iconique, clarin 100% extrait de plante pour tonifier le corps et l'esprit. Ah, il me semble que je les connais, ces petits flacons. Je vais me sentir. Ouais, bah oui, je connais parfaitement. Oui, ça va venir tonifier, mais c'est le corps, hein, que je fasse pas de bêtises. Ouais, ouais. Plus l'été, moi, je pense. Je vais me le garder. Donc, on continue, les princesses. Il s'agit d'une petite cape. Ah, c'est mignon le devant aussi. À suivre. Je viens d'ouvrir le colis parce que je savais pas si c'était pour moi. Et, si. Si. En plus, c'est même pour vous parce que c'est le cadeau Box Gold. Donc, il y en a un exemplaire pour moi, un exemplaire pour vous. Magnifique. Je vais me tester tout ça, je suis trop contente. Ah, pour changer, je me recoiffe. Il ne devrait pas tarder à venir me chercher, Ricky. Il est 10. Voilà. Est-ce que tu vas être mignon encore ce soir? Il a été tellement bien hier. Allez, c'est parti, j'ai froid. Bon, on est chez maman, regardez comme il est beau. Il est tout scintillant, son sapin. Ah, j'aime beaucoup. Il n'est pas terminé, apparemment. Est-ce qu'elle est sale? Qui? Oui, je l'ai secoué. C'était très bon. J'ai un bon poulet, des patates, dessert. Et là, on rentre, hein, parce que t'as cours à quelle heure? 3h. 3h. Parti. Quelle heure est-il? Ah, il est presque 18h. Je me suis attachée les cheveux. Là, j'étais en train de m'avancer sur le vlog. Et je vais descendre. Je vais commencer à préparer un peu le terrain. Enfin, la table, tablette, tout ça pour le live. Évidemment je vais enlever ça, mais j'avoue que quand je bosse j'aime bien, parce que là ça caille. Oh, la luminosité c'est quand même compliqué, hein. 17h 17h15, terminé, bonsoir. Faut le mental quand même. Jack est ici, il va peut-être descendre, je sais pas, je le laisse tranquille, ça sert à rien. Non, il dort bien là. Oh, faut que je change. Ça va être chiant. Ouais, il est 17h55, je pense que je vais le lancer un peu avant pour préparer tout, quoi. Attends, si je mets ça, c'est mieux. Est-ce qu'il queen un peu moins, celui-là? Ah, carrément. Allez, je ferai un petit coucou, je pense, comme j'ai fait l'autre fois, direct. On va faire le petit coucou dans le vlog directement. Donc, on a ici, mais ça va être encore mieux.
Si je vous mets là, j'attends que ça stabilise. Allez. Parce que l'autre fois, c'était un petit peu flou. Voilà, coucou tout le monde. Ah, c'est chouette. Impeccable. Bon, et bien voilà. Oh là là, c'est sombre. Le live est terminé. Ça s'est beaucoup mieux passé que la dernière fois, surtout en termes techniques. Il a duré une heure. Qu'est-ce que c'est chouette. Ça me plaît beaucoup de faire ça. J'aime bien. Je sais pas si je... Parce que j'avais dit que je le ferais. Voilà, normalement, le prochain, c'est mardi. Mais bon, je verrai. Il faut pas que ce soit non plus redondant. Peut-être qu'il y aura des thématiques ou alors je fais comme ça. C'est un petit débrief ensemble. Je verrai. En tout cas, ça m'a bien plu. Et il est 19h10. Jack a été très mignon. Voilà, à la fin, ça a commencé à s'agiter, mais ça a été. Et je vous ai pas montré, mais tout à l'heure, en fait, quand j'étais chez ma maman... Attendez, parce qu'il est en train de me faire des câlins. Je te félicite, mon loupio. Bah oui. T'as été adorable. Vraiment. Très, très, très mignon. Ça, c'est un bon Jackie. Ouais, donc tout à l'heure, quand j'étais ce midi chez ma maman, elle me dit, viens voir, viens voir. Dans la salle de bain. Elle me dit, je me suis acheté une crème Clarins. Et figure-toi que elle m'a gentiment offert plein de produits Clarins. Est-ce que ça te dit? Parce que moi, je ne les mettrais pas. Elle me dit, je fais, bah, bien sûr. Et donc, elle m'a donné la multi-intensive nuit crème, mais trop bien, ainsi qu'un concentré pour les yeux. Et ça, c'est un protocole, je l'avais déjà eu. Il y a plein de choses, il y a des crèmes pour les yeux, il y a des lotions. Moi, je suis contente. J'avais pas capté, mais c'est Clarins aussi. Énervée ? Oh, mais je te reconnais. T'es le chat qui est très très beau. Nous sommes le lendemain matin. Je vais me prendre la petite banane. Eric dort encore, je crois qu'il a pas cours ce matin, donc je le laisse se reposer. Regardez comme elles sont belles, ces petites tartines. Et lui, c'est connerie sur connerie. Hein. Il a une pêche. Ah, c'est pas ta mère, hein. Si je vous ai dit que c'était vendredi. Ah, c'est vendredi. Il est 14h10. Je vais à la pharmacie pour Eric, pour moi. Je vais en profiter aussi pour m'acheter un nouvel eyeliner. Parce que le mien, qui n'est pas si vieux, bah, il est sec pour changer. Et surtout, vous savez, mon contour des lèvres, Kiko. Et bah nul, 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 nul. Je ne recommande pas autant. Le rouge à lèvres était bien. C'est-à-dire que je tourne, ça sort, je l'applique, ça pète. Je tourne, ça sort, je l'applique, ça pète. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Non, c'est pas bien. Et il faut aussi, en rentrant, que je pense, dans le live d'hier, je vous ai dit, enfin j'ai dit à ceux qui ont regardé, que j'allais vous montrer, il y a quelques années, je faisais des DIY, et notamment, j'avais customisé des boîtes de conserve de différentes tailles. C'était trop mignon. Je vais vous montrer celle que j'ai encore là, parce que j'aimerais peut-être, si j'ai le temps bien sûr, réitérer l'aventure avec des thématiques différentes. C'est l'idée. Calendrier de l'Avent, je vous montrerai plutôt au retour, surtout que c'est le 6 décembre que je vous disais, c'était la fête. C'est la fête de ma maman, donc je lui ai mis un truc vraiment chouette et hyper original. Pas pratique hein, de s'habiller avec une caméra dans la main. Ah, j'ai reperdu ma moumoute et en plus je sais pas où est ma liste de courses. Bonnette retrouvée, médicaments achetés, enfin médicaments, pas vraiment médicaments. Ça c'est cool parce que dans cette pharmacie, normalement il y a plein de monde. Ah, tranquille. J'ai tout ce que je voulais, Arthrodent, il n'y a qu'en pharmacie en fait que tu le trouves. C'est vraiment celui que je trouve le mieux. De la gaze pour Eric. De la bétadine pour Eric. Il met ça sur son eczéma et il me dit que ça le soulage. Mais bon. Moi, j'ai oublié, bien sûr, mon ordonnance au méprazole. Donc, pour me dépanner, petite boîte pour une semaine, au moins pour ce week-end. Un petit tube d'homéopathie. Je sais, ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça fonctionne. C'est très certainement placebo. Tant pis. Je dois faire partie des 30% pour qui ça fonctionne. Et bah là, je vais... À une heure pour soi. J'ai pas envie de mettre trop cher pour mon contour des lèvres. Je vais prendre la marque, là, la nouvelle, qu'ils ont intégrée. Ouais, c'est ça, la marque Poupa, peut-être. Alors. Bon, j'ai trouvé tout ce que je voulais, même plus. Et là, je fais un petit stop boulangerie. C'est vraiment joli, la déco. Regardez ça. J'ai reçu un message d'Eric. Il me dit, tu sais, ça me ferait très plaisir que tu me prennes un petit goûter. Par contre, faut pas que je traîne trop parce que j'ai tout le montage encore à faire. Mais je suis contente parce que j'ai trouvé essentiellement des nouveautés au niveau de la cosmétique, enfin un make-up. Et oh là là, il est déjà 3h30, c'est pas possible. Bon, attends, je me lave les mains déjà, laisse-moi arriver. Non, putain. Attaque, ça y est, il a repéré ça. Alors, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est le genre de truc que j'achète jamais pour moi. Et là, j'ai une envie folle. Un pain au raisin. Je me suis aperçue d'un truc à la parfumerie qui m'a pas fait plaisir. Pas du tout. J'ai l'impression que j'ai une tonsure là. Que j'ai des cheveux, beaucoup de cheveux qui sont partis. Ce qui serait pas étonnant avec les colorations.
Et du coup, il n'y a plus trop de masse, mais bon. Déjà, donc j'ai pris Poupa, comme prévu. J'ai pris Eyeliner. Je vais réitérer l'aventure avec celui-ci, je ne l'ai pas fait. Ils en ont deux. On va voir. Voilà, très classique. Moi, c'est Mine Feutre. Je nous ai un peu rapprochés. Donc, c'est ça, Mine Feutre. Voilà, donc je testerai demain matin. J'ai pris, et j'ai eu 25% sur l'ensemble. Ça, c'est une nouveauté de chez, bah, toujours Poupa. C'est, vous savez, les deux en un. Ça fait et contour et remplissage. J'espère qu'il y avait pas mal de teintes. J'espère que je ne me suis pas plantée. Parce que je l'ai testé que sur mon poignet. Sinon, c'est sympa. Voilà. Donc, on a une partie épaisse, une partie fine. Tac, tac. Et moi, j'ai pris... C'est Vamp Creamy Duo. Et c'est vrai, je l'ai essayé. Ça a l'air très, très crémeux. Le 016. Oh, c'est bizarre. Là, ça me paraît un peu marronné. Attends. Hop, hop, hop. Comme ça. Et là, si je remplis. Voilà. Donc le contour plus la matière. Bah, le mieux, ça sera de l'essayer sur moi. J'essaierai demain. Et je me suis pris. Ça me faisait de l'œil. C'est aussi une nouveauté. Bon, on n'est plus chez Poupa. Nous sommes chez Dior, je crois. Ouais, Dior. C'est leur tout nouveau fond de teint. Stick. Moi, je ne mets jamais en version stick. Mais je l'ai testé. Pareil, sur mon poignet. Il est très crémeux et c'est idéal pour les personnes qui ont la peau sèche. Moi, je vais quand même venir le poudrer parce que sinon, ça va briller. Mais regardez, rien que l'objet, comme il est beau. Qu'est-ce qu'il y a, Biou? On vient de dévisser. J'ai pris la teinte 2,5 neutre. Pareil, tout ça, j'essaie demain. Du coup, bah, vous verrez dans le vlog de lundi. Non, c'est tout. Mais par contre, je suis en train de me dire... Vous savez, quand je suis allée à Chartres il y a quelques jours, j'ai également pris une ombre à paupières un peu pailletée. Je crois que c'est Huda Beauty qui était plus en stock. Et je l'ai commandé. J'ai dit, bah, je vais me le faire livrer. Ils m'ont dit, oui, ça arrivera d'ici 2 jours. Pas du tout. Donc, il faudra que je les contacte. C'est très étrange. Je cherchais le calendrier. Routine, hydratation étape 2. Le plein d'hydratation en 10 minutes. Bon, bah, ça va être un masque. Ça sera utilisé sans problème, hein, le petit masque. Et le format, c'est un 15 ml. C'est plus petit. Mais bon, tu le fais pas tout le temps non plus. Autant la crème, tu mets tous les jours. Là, c'est moins. Donc, c'est anti-soif réparateur. Ah, je crois que je connais. Duo d'acide hyaluronique. Donc, très bien. La case numéro 6, elle est grande. Ah, elle est peut-être une princesse. Princesse qui est tombée. Mes princesses. Je ne la connais pas, celle-ci. C'est peut-être belle, non? Vu la coiffure. Ah, possible. Elles sont mignonnes, hein? Bon, bah, ça avance. Voilà, avec ta collègue. Et également, le cadeau de ma maman du jour... Ça fait aussi, calendrier, tout ça, tout ça. Attention, si vous suivez mes vlogs, je vous avais montré une maison. Enfin, là, pour le coup, c'est un magasin de fleurs en DIY. Et je lui ai pris. Je vous montre, voilà, à quoi ça ressemblera une fois que ce sera monté. Elle a un peu pris peur. Elle m'a dit, oh, ça va être compliqué. C'est pas grave. Si tu mets 6 mois, tu mets 6 mois. Mais c'est tellement beau, le résultat final. Pareil, donc il y a une verrière, il y a même l'électricité, les petits éléments, c'est trop beau. Mais elle est très contente. Hein. Et je vais chercher ce que je vous avais dit, les petites boîtes. Donc je vous montre, ça c'était, ça il fait partie de mes préférés. Regardez la merveille. Oh, j'adore, avec le bouton là, c'est vraiment le détail qui fait tout, qui finit tout je trouve. Et la dorure du papier avec le vert, tout est beau. On a celui-ci également, petit format, très boudoir. Hein. Le truc, c'est que bon, on voit un petit peu, vous voyez, les rebords de la boîte. Bon, c'est pas gênant, ça reste quand même très mignon. On a celui-ci, un petit peu cerisier fleur, donc c'est une matière un peu différente. Donc ça aurait été plus joli avec des vraies fleurs, mais bon, forcément, dans le temps, ça ne tient pas. Et j'avais fait également celui-ci, modèle un peu plus, modèle un petit peu plus pop-rock. J'avais rajouté ça, parce que je trouve ça mignon. Donc voilà, je crois que j'ai réussi à vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Je vais vous laisser là, je suis pas mécontente que nous soyons vendredi et que ce soit le week-end et que je sois en off, en tout cas après au niveau du montage. J'ai envie de me poser, de me reposer et repartir en forme pour lundi. Donc comme je vous disais, mardi, je ne sais pas trop si je vais continuer les lives, ça c'est aussi à vous de me dire. Mais si je fais live, je pense que je ferai un truc un peu particulier où je me contenterai pas de vous... de répondre aux questions, voilà, pour que ce soit un petit peu plus vivant et sympa. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous tente, les lives ou pas, si je continue, si j'arrête.
Je vous fais un gros bisou et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao.